Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaykum, la paix soit sur vous. Tout au long de ces premières chroniques, nous avons parlé de différentes attitudes. Il s'agissait jusqu'à maintenant aussi d'écouter la voix de ceux qui peuvent être exclus, de ceux qui peuvent être opprimés, de nos voisins même. L'écoute, s'écouter et écouter. Et puis il y a dans le prolongement une attitude, une situation d'être par rapport à notre environnement qui va être celle de voir et d'être vu. Voir. Voir et réparer par ce que l'on voit va aussi déterminer une façon avec laquelle nous allons être vus. Parce que ce qui nous est demandé dans le monde, c'est être témoin de notre message. Litakunu shuhada al-nas, pour que vous soyez témoins devant les gens de votre message. C'est ce qui nous est demandé. Mais pour qu'on soit témoins, il faut que ceux qui nous entourent voient. Il faut être vu. Et pour être vu, il faut savoir ce que nous-mêmes, en tant que témoins, nous allons voir de ce monde. Et c'est toujours un équilibre. Être vu dans ce que l'on apporte et voir ce que l'on doit apporter, là où il manque quelque chose. Si vous revenez au rite, le fait de jeûner par exemple, ou le fait de prier, ou le fait de donner la zakat, vous vous apercevrez toujours que dans chacun de ces rites, il faut se séparer de quelque chose pour donner quelque chose. En d'autres termes, quand on entre dans la prière et qu'on dit « Allahu Akbar », on se sépare du monde, on entre dans une dimension verticale. Quand on va donner la zakat, on se sépare d'une partie de son bien pour pouvoir purifier ce qu'il reste. Quand on va jeûner, on se sépare de la nourriture et de la boisson pour pouvoir être avec Dieu. Quand on va faire le pèlerinage, on se sépare de son confort pour pouvoir aller. La séparation est un des éléments qui va nous permettre de voir le monde et d'être vu. Le témoignage séparé pour grandir et avoir les moyens de savoir dans ce dont nous nous séparons, ça va éveiller notre conscience. Et dans l'éveil de la conscience, en priant, on s'aperçoit mieux de notre inconscience. En jeûnant, on s'aperçoit mieux de notre abondance. La séparation permet de voir différemment ce que nous avons. Et quand nous voyons différemment ce que nous avons, nous devenons différents et nous devenons des témoins. Et c'est ainsi que nous nous voyons et c'est ainsi que nous devons voir. C'est-à-dire que les gens, quand ils vont voir le témoin, ils vont voir de quoi elle ou il se sépare pour savoir ce qu'ils ont ou ce qu'il leur manque. Cette vision, elle est essentielle. C'est tout le chemin de la spiritualité. Sépare-toi de l'habitude, tu feras éveiller le spirituel en toi et dans le regard de ceux qui te voient. Et c'est la première étape de la réparation du monde. Parce que le monde ne peut pas être réparé par les inconscients qui ne voient pas. Le monde se répare par les spirituels ou les êtres de cœur qui voient, qui leur montre le chemin et qui voient ce qui assombrit le chemin. Que nous soyons des témoins et que nous comprenions dans ce que notre chemin spirituel de séparation et de réconciliation nous dit de faire, en quoi spirituellement et par notre vision, nous pouvons réparer également ce monde. N'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. La vie est fragile.